les présidents russes et ukrainiens côte à côte sur le site de Tchernobyl. Dmitri Medvedev et Viktor Yanukovych participaient aux commémorations du 25e anniversaire de la catastrophe nucléaire. C'est la première fois qu'un dirigeant russe se rendait sur le lieu du drame. Cette cérémonie était l'occasion de rendre hommage aux victimes de l'accident. Un mois et demi après le drame de Fukushima au Japon, c'était aussi l'occasion d'appeler à un renforcement des mesures de sécurité pour les installations nucléaires. Dans son discours, Dmitri Medvedev a expliqué qu'après la tragédie de Fukushima, je cite, « nous devions prendre des mesures supplémentaires pour que l'énergie nucléaire soit davantage sécurisée. Il faut que cette énergie puisse continuer à faire ce qu'elle doit faire. C'est pourquoi nous devons être solidaires », a-t-il dit. Nous devons préparer peut-être de nouvelles conventions internationales qui puissent servir à toute la planète, ainsi proposé le dirigeant russe. La semaine dernière, plusieurs pays donateurs étaient réunis à Kiev, la capitale ukrainienne. Ils ont débloqué près de 550 millions d'euros pour financer en partie la construction d'un nouveau sarcophage au-dessus du réacteur accidenté de Tchernobyl. L'explosion de ce réacteur, le 26 avril 1986, avait entraîné une très grave contamination de la région et d'une partie de l'Europe.